Monaco, jeudi 12 juin 2014. Dans le cadre prestigieux du Monte Carlo Bay, Gérard L'Héritier, président d'Aristophile, recevait ses collaborateurs et associés dans le cadre de la convention Aristophile qui se tient tous les 4 ans. Venus de toute la France, mais aussi de plusieurs pays européens, les collaborateurs du groupe Aristophile étaient réunis pour célébrer notamment les 10 ans du Musée parisien des lettres et manuscrits, mais aussi les 20 ans du magazine Plume, magazine consacré au patrimoine écrit. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Encore donc une convention que Gérard L'Héritier a voulu princière. La réunion de travail a été l'occasion de dresser un bilan des 4 années écoulées depuis la dernière convention, et ce, en présence de nombreux conseils en gestion de patrimoine, invités eux aussi à prendre la parole. Bien évidemment, projets et perspectives ont été abordés. Soirée, la magnifique salle des étoiles du Sporting, au lieu des festivités monégasques, accueillait les invités. Dans cette salle mythique, où les plus grandes personnalités du monde sont un jour passées, les invités de Gérard L'Héritier ont pris place avant que ne résonnent les accords du grand orchestre de René Coll. Bonsoir à toutes et à tous. Très content et très heureux de vous retrouver ici à Monaco. Bonsoir, bienvenue à tous. Vous vous intéressez à des mots qui parfois n'ont pas de valeur, mais les mots qui résistent au temps, aux vanités humaines, aux guerres, à nos certitudes, ont de la valeur, une valeur particulière. C'est ce que vous faites avec Aristophile, avec le musée des lettres et des manuscrits qui fête ses 10 ans. Avec le magazine Plume, on est dans l'excellence. Sollicité par Gérard L'Héritier, Nikos Aliagas a animé avec élégance et humour cette soirée pas comme les autres. Alors que la voûte de la salle des étoiles s'ouvrait sur le ciel de la principauté, Gérard L'Héritier et Nikos Aliagas ont remis les plumes d'or, récompensant des personnalités œuvrant pour la préservation et la promotion du manuscrit, dans le prolongement de l'action menée par Aristophile. Alors on y va. C'est l'homme au chapeau noir, souriant parfois râleur, et l'un de nos meilleurs experts. La plume d'or des meilleures fiches scientifiques et des meilleures études de collection est attribuée à Monsieur Jean-Claude Vrin. Bravo, voilà. Jean-Claude. On continue, mon cher Gérard. On continue. Elle maîtrise la plume et réalise tous les trimestres avec brio, avec son équipe, un nouveau numéro du magazine Plume. Et la plume d'or des 20 ans et de la réalisation du plus beau des magazines, le magazine Plume, est attribué à Madame Cécile Angelvin, rédactrice en chef adjointe. Où êtes-vous, Cécile ? Bravo. Allez, pour la photo. Bravo, Cécile. On continue. Prochain trophée. La plume d'or des 10 ans. Alors, elle réalise depuis 10 ans la scénographie des plus belles expositions du musée des lettres et manuscrits de Paris et de Bruxelles. Beaucoup d'expositions. La plume d'or des 10 ans du
MLM, vous le dites comme ça, on peut on le dire. On peut dire musée des lettres, ouais, MLM. C'est au choix. Hein, ouais, c'est au choix, oui. Donc oui. Du musée des lettres et des manuscrits, des plus belles expositions est attribué à Madame Estelle Gaudry. Une belle chaussure. Bonjour, félicitations. Très jolies chaussures, je voulais. Prochain Allez. Lauréat. Alors, il est à mes côtés depuis 11 ans, d'une humeur toujours égale. Et souriante. Et souriante. Oui, vous inquiétez il pas. Il a écrit deux magnifiques ouvrages, « Six siècles d'art du livre » et « Jean Cocteau le magnifique ». La plume d'or du conservateur du musée des lettres et des manuscrits et du rédacteur en chef du magazine Plume est attribuée à Monsieur Pascal Fulachier. Bravo. Monsieur, bonsoir et enchanté. Bravo Pascal. Je voudrais tout d'abord remercier Gérard pour toute la confiance qu'il m'a accordée depuis 2003. Ça fait 11 ans qu'on travaille ensemble, c'est vrai. C'est étourdissant, c'est émouvant. Et j'aime beaucoup travailler avec Gérard. C'est un homme absolument extraordinaire que j'admire beaucoup. Et puis, je voudrais partager ce prix avec toute l'équipe du magazine et du musée, parce que sans eux, tout cela, tous ces musées, ces deux musées et ce magazine n'existeraient pas. Donc, je voudrais leur dédier ce prix également. Voilà, merci à vous tous. Mais merci Gérard. Merci Pascal. Nous allons maintenant parler d'une femme toujours souriante, discrète. Toujours souriante et discrète. Elle possède beaucoup de talent. Elle dessine, elle peint. Mais surtout, elle écrit la lettre du musée. Elle écrit de superbes livres pour Aristophile et pour le musée. La plume d'or des 10 ans du musée des lettres et des manuscrits, coédité par Gallimard et Aristophile, est attribuée à Madame Christelle Pigeon. Bravo. Bravo Christelle. Elle mérite, hein. Bravo. Merci. Bravo Christelle. On continue, mon cher Gérard. Tu vas finir animateur. Elle chasse. Elle chasse dans le monde entier. Elle traque. Elle découvre. Elle passe des ordres. C'est l'Indiana Jones des lettres et manuscrits pour le bien de tous et de nos clients, comme dirait Monsieur l'héritier. Elle est même venue avec son fan club, des indigènes et quelques autochtones. Elle dirige le département des collections du groupe et il s'agit de la plume d'or des 10 ans du musée des lettres et manuscrits, des plus belles collections de lettres de manuscrits. Ce prix est attribué à Valérie l'héritier. Gary. Très jolies chaussures. Je vais checker toutes vos paires de chaussures ce soir, je vous le dis. Mesdemoiselles, bonsoir. Je vous laisse dire un petit mot. Non ? Non. Merci. Non, je suis trop émue. C'est vrai ? Oui, merci. C'est la présence du monsieur ? Oui, puis j'ai un peu bu de vin. Je ne sais pas comment va se terminer cette soirée, tout ça est très louche. On ne m'avait pas prévenu, mais vous avez raison, décontractez-vous, tout va bien. Nous allons maintenant vous présenter un homme qui parle. Mais qu'est-ce qu'il parle ? Il parle de sa passion, il écrit sa passion, il la transmet à travers des conférences, des livres magnifiques qu'il ne cesse d'écrire d'année en année. Paroles de poilu, paroles de l'ombre, c'est un historien reconnu, infatigable. Il est le directeur de la culture d'Aristophile, la plume d'or. Des meilleurs livres historiques est attribué à Jean-Pierre Guénaud. Bravo. Bonsoir, monsieur Guénaud. Bonsoir. Nous allons maintenant parler d'un écrivain, d'un amoureux des mots, des livres. Son nom est connu au-delà des frontières. Il écrit. Récemment, le public a découvert aussi son nouvel opéra, une tragédie musicale, l'affaire Dreyfus. Il fallait oser, il l'a fait. Cet homme est charismatique. Il a commencé à écrire à l'âge de 7 ans.
Il savait exactement pourquoi. Surpasser, décrire l'invisible, l'inexplicable. Nous avons le bonheur ce soir de compter parmi nous et d'accueillir Didier Van Kovelaar. La plume d'or de l'Institut des Lettres et Manuscrits est attribuée à Didier Van Kovelaar. Je suis très ému et très surpris. Je suis ici ce soir par amitié, et par estime et par joie. Par rapport à ce que disait M. Vrin tout à l'heure, je suis obligé de faire un petit coming out. Je suis très touché, bien sûr, par l'écrit, par les manuscrits, par les autographes. Mais j'ai fait quelque chose d'inavouable ici à Nice, qui est même, enfin là-bas à Nice, pardon. Ne colonisons pas la principauté. Là-bas, à côté, à Nice, j'ai fait quelque chose d'inavouable quand j'avais 15 ans, 16 ans. Oui, c'est vrai que j'ai commencé à écrire très tôt, que j'ai commencé surtout à envoyer des manuscrits à partir de l'âge de 9 ans. Et un beat complet, à chaque fois, ça n'intéressait personne. Et puis, en écoutant un petit peu à la télévision, on entend qu'il faut être recommandé dans la vie. Mais personne ne pouvait me recommander dans le milieu littéraire. Personne ne me connaissait. Et il y avait près du lycée Masséna, j'espère qu'il y a toujours, il faudrait que j'aille voir, une librairie, ils vendaient des autographes, des manuscrits. Et je suis allé là-bas avec une petite feuille de papier carbone que j'ai plaquée sur une lettre de Jean-Paul Sartre. J'ai recopié. Et je me suis fabriqué une lettre de Jean-Paul Sartre disant du bien de mon livre, que j'ai envoyé aux éditions Gallimard. Je vous rassure tout de suite, ça n'a pas marché du tout. Mais j'étais obligé à ce coming out parce que Gérard l'héritier qui connaît ma passion, bien sûr, pour les manuscrits, voilà, je voulais qu'il sache quand même quel homme il honore aujourd'hui et cette part de déshonneur que j'avais besoin de mettre en lumière afin de pouvoir dire merci en toute légèreté et en toute gratitude et en toute surprise. Pardon d'avoir été un peu long, mais c'est un moment très touchant, vraiment inattendu. Et voilà, cette rencontre entre vous deux et moi au milieu, c'est un moment qui me touche. Et merci à tous ceux aujourd'hui que la passion de Gérard l'héritier à rassembler ici, et c'est une passion qui marche, et nous avons besoin de passions qui marchent aujourd'hui en France. Merci. Il en reste un dans la salle. Eh bien, toute l'équipe du musée des lettres et manuscrits de Paris, qui depuis 10 ans fait un excellent travail de présentation et de médiation culturelle avec une parfaite réussite vis-à-vis des écoles, de plusieurs dizaines d'écoles sur une année. Nous avons décidé ce soir de leur remettre un premier diplôme qu'ils méritent bien, le Prestige d'Or 2014. Et j'appelle Sophie Clamaron, Éléonore Duvivier, Michael Roland, Nelly Bastien, Bertie Cazeille ou Cazel, et Isabelle Pellegrin, merci de venir découvrir vos diplômes, les prestiges d'or. Merci beaucoup. Voilà, un musée qui fonctionne très bien. Et c'est pour ça qu'on fait les 10 ans. Merci. Chaque année, Aristophile propose un challenge récompensant les meilleurs conseillers en gestion de patrimoine. À l'occasion de la Convention 2014, Gérard l'héritier a souhaité marquer d'une pierre blanche cette édition, en offrant aux différents lauréats une croisière sur le Queen Mary II, une escapade en Ferrari sur les routes ensoleillées de Toscane ou encore un voyage en Orient Express. La partie festive a repris ses droits avec un homme au talent incomparable et à la voix d'or, Vincent Niclot. Jean,
luna e mezzo al mare, mamma mia si salterà, l'ora bella per danzare che innamor non mancherà. Già la luna e mezzo al mare, mamma mia si salterà, l'ora bella per danzare che innamor non mancherà. Bossa! Interrompant sa tournée pour l'occasion, le ténor avait répondu à l'invitation de Gérard l'Héritier. Il a enflammé la scène avec un show époustouflant. À minuit, la salle du Sporting de Monaco s'est transformée en un gigantesque dance floor où la fête a duré jusqu'au bout de la nuit. Are a sheep. No, you become a lion.